Mesdames et messieurs les rusheurs, bien le bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo dédiée à l'événement du robot. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir fait la demande de vous présenter des decks également pour les événements. C'est une chose qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Event Robot, voilà le deck qui est totalement imba dans cet événement. Le robot clock, c'est purement et simplement une dinguerie, c'est très rapide. Ça vous permet de vraiment enchaîner les wins facilement, rapidement dans cet événement. On va se lancer directement une petite partie et je vais vous montrer un petit peu le gameplay avec ce deck. Ouf, on tombe sur un gros. Bah écoutez, tant mieux. Allez, bonne chance. Gadget 15. Bon, si on tombe sur un gros joueur qui connaît bien la mécanique du jeu, dès que je vais balancer de l'horloge, il va swap avec son papy de manière à pas prendre le debuff de l'horloge. Donc ça peut me contrer. Il va falloir que j'enchaîne vraiment correctement mes horloges de manière à bien le ralentir, bien le déranger. Pour l'instant, tranquille, on va passer nos robots 5. Et on va aggro un petit peu la mana pour lui mettre pression au prochain boss. Enfin, à la prochaine vague, plutôt. Tranquillement, on se développe. Hop. Donc, je garde mes mimes. Je fais mes invocateurs ensemble. Allez, un petit peu de robot. Ok, super. Allez, on est en galère, on se met une petite horloge, histoire de ralentir un peu. C'est nous qui mettons le rythme, hein, avec ce deck. Allez, on met une petite horloge. Ok. On claque là, allez, deux robots ensemble, on est passé 5. Là, on commence à aggro le mana. On peut up un peu les horloges. Voilà, il est déjà pas très très bien. Vous voyez, ça avance bien chez lui. Je pourrais l'horloge de manière à ce que Bedlam le... Bon, il va s'embêter tout seul. Ouais, il est pas bien, il a plus d'un ki. Il a plus d'un ki. On va attendre, il va se refaire flip. Oh là là. Et bah, il est chanceux, le copain. Il est bien chanceux. 4 un ki. Bien placé. Ouais, il est bien. Ouais, c'est pas grave. Je pense pas qu'on pourra le détruire sur cette vague-là. On va maxer les horloges pour vraiment l'embêter. Et ensuite, on va faire de l'invocation et on va voir comment on s'organise. Donc c'est un deck ultra fort, le robot horloge. Ça permet vraiment d'embêter l'adversaire. C'est pour moi le deck le plus puissant actuellement dans la méta, hein, vraiment. Je le joue pas parce que je l'ai beaucoup joué la saison dernière. Je l'ai pas mal joué pendant une bonne semaine quand j'ai fait mon rush. Et je prends pas énormément de plaisir avec ce deck, mais vraiment, voilà, il est vraiment très très fort. Ok, on a max notre horloge, on va invoquer. Et on peut lui mettre la pression, hein, ça avance bien chez lui. On va enchaîner les horloges et on va voir si on arrive à le mettre en PLS. Il y a moyen. Allez, on enchaîne. Hop, on continue. Et voilà, ça touche, 1, 2, 3, parfait, voilà, on n'est pas sur du petit joueur, je vous avais prévenu, voilà, 72% de win rate, je pense que ça a du stuff, ouais, robe de mage, le bâton, on est sur du gros joueur, je vous avais dit là que ce deck était extrêmement puissant, n'hésitez pas à le tester, vraiment, c'est des games très rapides, c'est vraiment, vraiment fort, ça va vous permettre d'enchaîner les victoires pour les joueurs free-to-play.
L'event, on peut le terminer. On peut le terminer si on fait full victoire, qu'on fait bien s'étiqueter tous les jours. On peut aller chercher le petit coffre bonus. Et surtout, on peut récupérer même la partie de droite qui est quand même super intéressante en termes de récompenses. Donc, n'hésitez vraiment pas à tenter ce deck, à essayer, re-regarder bien la vidéo, voir un petit peu comment on joue. Il y a vraiment des phases de tempo, il faut prendre son temps, ça sert à rien de balancer les horloges à la chaîne bêtement sur le départ parce que ça ralentit pas assez l'adversaire, en tout cas pas assez longtemps. Donc, attendez bien d'être au moins à la deuxième vague, et vous verrez que vous pourrez enchaîner les wins vraiment, vraiment facilement avec ce deck. Donc je vous remets, voilà, une petite photo. N'hésitez pas, testez-le. Faites-moi part en commentaire de ce que vous en avez pensé, est-ce que ça a fonctionné chez vous. Je pense que oui, mais votre retour m'intéresse, donc n'hésitez surtout pas. Allez, à bientôt, salut!